en Isère, à Roibon, près de Grenoble, le groupe Pierre et Vacances a décidé de construire un Center Parks, une ville de loisirs de 6000 habitants, dans la forêt de Chambaran, avec l'autorisation de la préfecture et le soutien de la mairie de Roibon. Mais malgré un avis défavorable de la commission d'enquête et sans bien sûr prendre la peine de consulter la population. Un tiers de la forêt a déjà été rasé au prix d'un scandale environnemental. Il y a en effet de nombreuses espèces protégées dans cette zone humide. On prévoit aussi une consommation d'eau potable considérable lorsque ce projet verra le jour. Mais ce week-end, les engins de construction sont restés silencieux. Une nouvelle zone à défendre, une ZAD, est née sur le modèle de ce qui s'est fait à Notre-Dame-des-Landes et puis au barrage de Sivens. Une manifestation aux abords du chantier qui rassemblait plus d'un millier de personnes a permis l'occupation, dimanche 30 novembre, d'une maison forestière, la Marquise, ou Maquisade. La maison est située à 150 mètres à peine du chantier et devrait servir de lieu d'hébergement aux activistes qui ne manqueront pas de venir défendre cette forêt contre ce projet inutile et imposé. Dans les petits matins de la zone, les indomptables arpentent la forêt brumeuse. D'incorruptibles territoires s'opposent à Center Park.